Bon, c'est parti, un match contre Pan, un match UBL, donc c'est parti, commence avec Bedeau, ressemblance très frappante, je commence avec mon autre panthère, je crains le Scarf, donc j'envoie Registeel pour anticiper un point éclair, un point de glace sur notre Toxico, il fait bluff, ça me fait rien du tout. Et je vois qu'il y a l'Orbe Vie, donc je me dis peut-être que je vais me manger une attaque combat, donc je switch sur mon Kaorin, pour pouvoir placer protection. Donc là un Créel, que je me dis que je reste, sauf qu'il a tour magique. Un mob platine m'avait pas prévenu, au début j'étais un peu dégoûté, surtout pour mon Kaorin, qui devient totalement inutile. J'ai placé protection, bon bah d'habitude je suis contre mob platine, mais là il m'a pas prévenu, c'est un match amical où j'ai laissé. Un peu dégoûté quand même. Donc là il a réfléchi pas mal de temps, moi je vais ramener Registeel pour pouvoir placer piège d'Europe, tout simplement. Donc lui il a réfléchi. Et il fait demi-tour. Et donc logiquement il va m'envoyer un pont. Il m'envoie sa saleté de vide. C'est le Pokémon que je crains le plus dans sa team, Roserade, donc j'ai comme pas mal de mal. J'ai beaucoup de mal à le contrer. Donc je recycle une poudre dodo, j'envoie une Lobélus. La capacité spéciale s'active. Et là j'anticipe une tempête verte. Donc je vais ramener mon Sampère. Il me ramène Créel. Je vais taper demi-tour tout simplement. Le rapace, je pense pas que ça lui fasse beaucoup de dommages. Donc demi-tour. Ça lui fait un peu moins de la moitié. Et donc bah, je vais encore une fois ramener Registeel pour les pièges de roc. Donc lui, encore une fois demi-tour. Et encore une fois vive. Je sais qu'il a PC feu, mais je vais rester. Je vais taper tête de fer. Parce que je me suis dit peut-être qu'il a la ceinture force. Donc je tape tête de fer comme ça m'enlève. Donc Vampigraine il a les restes. Bon je reste, je continue. Et ses feux, ça me fait quand même assez mal. Je retape tête de fer. Et là le problème c'est qu'avec la Vampigraine et les restes, je vais pas pouvoir le tuer sur la prochaine tête de fer, alors que moi j'ai des chances de crever. Donc je vais exploser. En plus comme ça je suis débarrassé de son Pokémon qui est vraiment souvent. Donc j'explose. Plus de Roserade. Ça c'est fait, je suis assez content. Là je me dis que je vais envoyer mon Pokémon le plus rapide, donc sans faire. Comme ça, je suis pas sûr d'attaquer en premier, j'aurais de quoi faire, on va dire. Donc lui, il envoie son Fermina, et je me dis que s'il fait bluff, c'est juste énorme, parce que j'attends que... C'est ce qu'il fait, bluff. Il connaissait peut-être pas la capacité de nos stampères. Rapace, one shot. Et voilà, Bedeau KO, ça c'est fait. Toujours un Poké saoulant en moins. C'est quand même deux Pokémon que j'aime pas trop face à moi, que je pète. Donc là, il m'envoie Diconico. Et je peux rien lui faire tout simplement, donc j'envoie une Obélus. Lui, je sais pas ce qu'il a anticipé, enfin bon, il a fait lance flamme. Moi, je vais rester pour taper le Blablabla. Et comme d'habitude, ça va me sortir repos, bon, je suis habitué maintenant, ça me fait même plus chier. Donc là, je vais rester pour voir ce qu'il fait, tout simplement, parce que je connais pas trop son crêpe, à part le mob platine, tour magique et demi-tour. Donc je reste. 6 coups de boule, autre mob platine, bon. Voilà, je suis lâche. Donc moi j'ai sorti mes arrières sur le Blabla Dodo. Et là je vais taper Surf pour voir ce qu'il fait. Donc lui tape Popo. Et ça me dérange pas parce que bon je me dis que... Je vais rester là encore. Hein. J'ai rien d'autre à faire pour le moment. Et je commence un peu à l'affaiblir mais pas vraiment dangereux. Et en fait je vais attendre qu'il fasse un autre pot pour pouvoir commencer à placer un autre Pokémon. Parce que bon, c'est pas que là le match il s'est terminé un peu, mais dans duel. Donc je continue, lui je crois qu'il va placer un repos. Voilà, repos. Et là je vais profiter pour... sur le tour d'après pour pouvoir switcher sur un Pokémon. Qu'on n'a pas encore vu dans ce match, donc c'est mon parent. Avec un surnom un peu Zarbi, donc si vous voulez des informations sur ce surnom, vous allez sur l'encyclopédie Star Wars, comme Star Wars Holonet, ça sera bien expliqué. Donc là je me dis que je vais essayer de booster mon attaque avec rayon chargé. Bon pas de boost sur la première attaque, bon il y a une chance sur deux, ça arrive on va dire. Donc je continue pour faire rayon chargé pour pouvoir essayer de monter mon attaque autour de 540. Donc lui il tape un petit coup de boule, ma capacité spéciale s'active, il est paralysé, ça c'est fait, ça fait plaisir. Et moi pendant ce temps, j'ai toujours pas de boost d'attaque SP. Bon. Je me dis que je vais faire tonnerre. Tonnerre. Coup critique. Assez relou pour lui.
assez important, je pense, quand même, mais peut-être pas au final sur le score. Il y aura donc tonnerre dessus. Donc il m'a dit, c'est la deuxième fois que son crêpe se fait axer. Bon, bah, pas de bol pour lui, quoi. Franchement, je reconnais, c'est relou. Donc, il m'envoie un Eldel, à Lucard, et il me dit qu'il va peut-être faire abri ou je sais pas quoi, donc bon, j'envoie Théorie. Donc, lui, il a abri, le prince active, lui. Et moi, comme je suis Scarf maintenant avec ce saleté de mouchoir choix, je vais faire laser glace. Tout bon. Et puis, peut-être qu'il prend pas ça, mais je sais pas quoi. Et là, il envoie Django, la classe, un FME. Et moi, laser glace, ça fait rien du tout. Et moi, je vais rester parce que c'est un curseur, je le sais. Il m'a déjà sorti. Et j'ai deux Pokémon pour le contrer. Donc je vais rester avec mon Théorie. C'est tout. J'ai mon Darkbane qui va le contrer. Et puis j'ai. En second couteau, j'ai mon parent qui est Expo Force. Donc si ça passe, ça peut faire assez mal quand même. Mais je me dis que j'aurais peut-être pu anticiper sur Eldel pour faire un Psycho. Pour pouvoir avoir des baisses de dette SP. Mais bon, j'ai fait Laser Glace. Donc tant pis, bon, lui, il continue à passer ses petites mallettes de fer. Et moi, de toute façon, je fais qu'il laser glace, j'ai que ça à faire, de toute façon, parce que. Il suffit qu'il anticipe un switch et qu'il me sorte un mauvais truc, je suis niqué. Donc, je reste là, je prends pas de risque. De toute façon, j'ai deux Pokémon pour le contrer, comme je disais tout à l'heure. Donc là, je suis un coup critique. Pas utile, parce que bon, il a anticipé, j'ai fait les avoir. À noter que j'ai qu'aucun gel, hein, donc, sur, je crois, une dizaine de laser glace, à peu près. Bon. Donc, lui, plaquage. Malgré 4 mêlées, je survis. Énorme. Donc moi laser glace, il va faire les avoirs. Je vais refaire laser glace, il va me tuer. C'est la suite logique des choses. Donc Django placé 4 Malek, je crois. Il me pète sur plaquage. Et là je me dis que c'est le moment d'envoyer Darkbane, qui est un 4 turn, avec 5 heures force et riposte, donc je me dis que je vais passer riposte. Sauf qu'il m'a anticipé, bien anticipé d'ailleurs, c'est Malek. Donc j'ai fait riposte dans l'île. Et moi je vais continuer à faire riposte parce que. De toute façon, s'il veut m'attaquer, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Là, le combat est bloqué, hein. Il fait Malek dans le vide. Moi, je suis riposte dans le vide aussi. Et là, c'est le premier qui va craquer. Le premier qui craque, c'est Pal. Parce que moi, j'ai rien d'autre à faire, hein. Si je switch ou si je fais n'importe quoi, je me fais dessouder derrière. Donc, plaquage. Évidemment, ça pure force. Paralysé, j'ai trop vite fait ce moment de la partie. Je me suis dit, si je suis pas je suis mort. Le poste, one shot. Normal. Donc Django n'est plus. Donc ensuite Alucard, je me dis je vais faire Kuba. Il fait abri et là pas de bol pour lui, je suis paralysé. Donc s'il n'est pas fait abri, il m'a pété. Et là je vais retaper Kuba parce que j'ai absolument rien d'autre à faire. Kuba et je suis surpris, je le one shot. Et en fait ce truc c'est une def en carton. Donc il m'envoie Dikoniko, son dernier Pokémon. J'adore la ressemblance aussi. Hein. Donc là je suis encore paralysé. De toute façon j'aurais rien fait sur Kuba. Donc là il me reste 3 Pokémon et je gère son Dodo PP avec le bonus normalement. Donc je vais faire des surfs tout simplement pour pouvoir le faire. Donc il fait des balances pour retarder l'échéance on va dire. Et donc il va refaire encore une balance, moi resurf. De toute façon là le match il est gagné pour moi. Hein, de toute façon je prends toujours un petit Poké genre Cacturne, un Poké qui peut. Je peux contrer les Pokémon placés, on va dire, pour rattraper une éventuelle boulette ou un placement où j'ai pas envie de prendre de risques. Donc ce qui s'est passé là, je préfère attendre. Et il y a aussi c'est ce que j'ai fait sur son Krell qui est assez relou pour lui. Je sais pas si ça aurait changé, je pense ça aurait peut-être changé le score en 2-0. Bon je gagne, GG à Pal, un très beau match. Match UBL, ça fait plaisir, ça change des gros habituels. Allez, ciao.